Bon du coup les gars, quoi de neuf depuis la dernière fois? Oh tu sais, pas grand chose. Et t'as fait un truc au CRA? Depuis que je suis arrivé, c'est un poteau. Ah, lui c'est compliqué. En tout cas, il a eu une sacrée idée hein, de pousser les gens contre des murs. T'es vraiment sûr que ça vient de lui? Prendre le mur? Avoir mal? Évite de prononcer quand il est là les mots mur et pousser. Il s'en remet pas le pauvre. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième partie du Cradopou. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, le Cradopou peut être joué de deux manières étant donné qu'il repose sur la flèche tyrannique qui a à la fois air et feu. On avait donc testé la voie feu qui on rappelle fait des dégâts quand la personne prend un dommage de poussée. Et cette fois-ci on va s'attaquer à la voie air qui fait des dégâts quand la personne est déplacée. Le gros avantage du mode air c'est qu'il est légèrement moins fort que le mode feu mais qui par contre il est beaucoup plus polyvalent. Les dégâts vous pouvez les proc quasiment n'importe quand et ça forcément ça fait du bien. La grosse particularité et le gros avantage je trouve du mode air par rapport à la voie feu, c'est la flèche tyrannique en elle-même. Quand vous la lancez sur un adversaire, pour 4 PA vous placez votre poison pour 2 tours, vous retirez l'ivoire à l'adversaire et vous lui mettez des dégâts. Ça peut paraître tout bête, mais cette économie de PA au quotidien est vraiment super intéressante. Pour ce qui est du stuff, on est sur quelque chose de forcément différent de la voie feu, mais qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques. Notre but c'est d'avoir un maximum de dopou, mais aussi d'avoir pas mal d'agi. Et la grosse particularité hyper intéressante dans ce mode, c'est d'utiliser l'arc légendaire de Buorado, qui on le rappelle, à chaque fois qu'on occasionne un coup critique, va nous donner 20 de dommages de poussée. Et avec le crack qui a le tir critique et un très gros taux de coup critique de base sur la plupart de ses sorts, ça vous permet d'être boosté environ d'au moins 100 dopou constamment dans le combat. Et ça, ça fait très très plaisir, la flèche de recul a des lignes de dopou assez impressionnantes. Allez, trêve de blabla, passons au combat, quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on est bientôt aux 20 000, on est vraiment très bientôt là-dedans. Donc je pense qu'on y sera quand vous regarderez cette vidéo, et je voulais dire bah félicitations, bienvenue au nouveau. De mon côté, je suis encore en train de m'adapter à mon nouvel appartement, disons que la maladie a pas forcément aidé aussi à ce que j'y passe des vraies journées. Mais ça fait vraiment plaisir de changer d'environnement, et je vais créer beaucoup beaucoup plus de choses, j'ai plein de choses dans les cartons que j'ai vraiment envie de vous annoncer, ça arrivera dans quelques jours. Pour finir, merci très sincèrement de me suivre, ça fait extrêmement plaisir, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, passons. Combat. Salut YouTube, on est contre un Yop, on est un Kra Dopou R. Alors, Kra Dopou R c'est très très cool, notamment contre les Yop. Non, contre. On l'a refait, d'accord Vous avez rien vu YouTube. Notamment contre les Dofus Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la flèche tyrannique va d'abord mettre un dommage feu, puis un dommage R. Et ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième chose, on a la plume de Buorado, donc là on va mettre des tirs critiques et tenter de faire un max de crit. On en a un, 20 Dopou en plus. Un deuxième, 40 Dopou en plus. Et on va mettre hop, des petites flèches, hop. PF et PF, donc deux non-crit, pas de soucis, mais on est boosté de 42 dopou supplémentaires, ce qui est quand même plutôt sympathique, surtout que, bah voilà, c'est 42 dopou qui sont pris pendant 2 tours, et on peut les cumuler, alors, je sais plus combien de fois on peut cumuler avec, avec la Buorado, même en partant du principe que ça soit infini, on peut, enfin, on aura rarement plus de 100 dopou, quoi, genre, soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein. Non, un moment plus. Ok, donc là, monsieur avance directement, et on va pouvoir regarder, vérifier tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, il a un dofus ivoire sur lui, on s'en fiche, on lui met du moins 400 directement avec une flèche tyrannique, c'est vraiment sympathique. Deuxième chose, c'est que là, on peut lui mettre la flèche de recul direct, et pourquoi pas une représaille. À la limite, ça se fait. Je pourrais aussi passer sur de la dévente et tout, mais je pense que... Je pense que oui, bah ouais en fait, moi c'est ce que je pense, ouais, vous pensez ce que ça... Bah moi je sais pas, ouais, bien sûr. Bon, bah oui hein, j'ai envie de vous dire, bon. Aïe. Ouille. Ça fait un petit peu mal quand même, j'avoue que j'ai eu un petit peu mal, j'ai eu un petit sursaut de aïe. Le truc c'est qu'il a encore la flèche tyrannique et c'est un peu relou parce que... Et comment que je fais là? Parce que la flèche de concentration, le seul truc qui est chiant, c'est que je peux pas le pousser là. Alors vous savez quoi? Tant pis. On va aller relancer la tyrannique. Parce que la tyrannique au final, c'est vraiment le meilleur truc. Hein. C'est vraiment le meilleur ratio de dégâts, hein, je pense, là-dessus. On va lui remettre une flèche de recul. À moins 1000. Petite flèche, hein, bien sûr. À moins 1000. Et le problème, c'est que là. Bon, on lui met une dévente, mais c'est vraiment parce que c'est lui, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Si j'avais pu double cinglante, je sais pas si je l'aurais tué. Non, le poison c'est du 33, je l'aurais mis à 400 HP à peu près. Mais j'aurais dû double sanglant contre recul pour essayer de profiter au maximum de tous les dégâts, vous avez tout à fait raison. Alors on comprend pourquoi elle avait un peu plus de... Bon, vous savez, moi c'est la chose que je retiens c'est que j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Bon, hein, voilà, bon. C'est la vie. Non, ce que j'aurais pu faire, effectivement, c'est doubler cinglante, puis taper, il y aurait eu la ligne feu qui aurait proc aussi, mais je pense pas que ça aurait fini dans tous les cas, mais on aurait été à peu près pareil. Il aurait été à portée de mort. Alors, la première game, faites pas attention, j'ai suicide, c'était des tests, notamment des variantes.
Ne m'en voulez pas, parce que je sais que vous scrutez à chaque fois mes victoires sur YouTube. Hein? Il suffit. Salut tu... Oh non! Bah... 5300 points de vie sur un sacré, alors autant vous dire que... Alors ça c'est positif parce qu'il va se casser la gueule, mais en même temps... Voilà, c'était ma petite grimace de type... je peux pas passer en moment, mais bon, tant pis. La musique est entraînante, la vie est belle, on a fait quelques crits, on se prépare à la guerre. On est full avancé, on est full boosté. Ça va bien se passer, d'accord? Croyez en l'espoir. Même si ça fait... En plus il est full air donc il va nous tacler et ça... Notre objectif c'est qu'il ne puisse pas nous tacler facilement, d'accord? Vous retenez, c'est le plus gros objectif de la Terre. S'il peut avancer de 2K, ce serait sympa. Ou alors non, attire-toi sur ton épée, tiens. Ouais, attire-toi sur ton épée, ça me dérange pas. Alors, si tu finis là, ça me va. Ici. Ici, pardon. Mets-toi une petite claque, s'il te plaît. Ou si, c'est... Bah, ici c'est bien, mais ça fait un peu chier. Ah oui. Ah ouais. Vas-y, mets ton épée là, tiens. C'est pas sympa. Bon, on va quand même mettre une flèche de recul sur l'épée volante, je pense. Puis si on crit, ce qui est cool, c'est qu'on a 22 points en plus, c'est quelqu'un. Bon, il viendra pas nous tacler, je pense pas, pas ce tour-ci en tout cas. On va profiter de lui mettre un axe de damage. 1300, on a même pas déclenché la... Vous vous rendez compte qu'on a pas déclenché la ligne R, là, hein, c'est sur la ligne feu. Aïe, 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 aïe. En même temps, c'est vraiment l'item légendaire qui carry, hein, les gars. Regardez, on a 100 de poux supplémentaires. 100 de poux, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Bah, il peut nous tacler ici, ouais, c'était peut-être pas ouf, j'aurais dû... Bah, de toute façon, il pourrait plus nous tacler, ouais, il peut nous tacler quoi qu'il se passe, donc bon. Après, là, il ne nous tacle pas, et ça, c'est le plaisir. Parce qu'on va pouvoir profiter à la fois des dégâts et à la fois de la représailles. Bon, par contre, il nous met une sacrée claque. On rappelle que cet homme avait 6000 points de vie au début de son tour, hein. Au cas où, si quelqu'un a oublié, je préfère le rappeler, hein. Allez, hop, moins 1200, petit coup, hop, tu perds tous tes PM, tu te prends un petit coup de cake des familles, moins 800, allez hop, hop, hip hop, hip hop, hein, il est temps d'aller un petit peu dans le bon sens des choses, mais, pouf, c'est dur. Hein. C'est dur, parce que la prochaine tour, du coup, je n'ai plus mes boosts, il n'y a plus la tyrannique, donc il va manquer certaines petites choses. Seule chose, c'est qu'effectivement, il ne peut plus coagulation avant un petit moment. Ça devrait aller, croyons la vie. Et ma perfusion, ça marche pas sur moi, hein, c'est sur les ennemis, hein, d'accord. C'était un peu le cri du désespoir, parce que je peux comprendre. Bon. Bon. On va essayer de le full taper comme on peut. Hop, bim bam boum. Et On va se mettre ici, comme d'hab, c'est compliqué pour lui en fait de venir nous tacler. Si on se met là, il a juste à venir là et changer de place avec moi. Alors que ici, bah c'est tout court, mais il lui manque un petit PM pour se mettre dans le coin. Hein. Et bon, là, je vais m'en prendre plein le cul. j'ai pas hâte du tout. Déjà, la petite pupu à moins 1200, forcément. Un coup de cas. Comme quoi, hein. Mais il avait 5000... Non, mais vous vous rendez compte du nombre de points de vie qu'il avait au début de la game. C'était incroyable. C'était assez ouf, quand même. On va pouvoir le tuer assez facilement, par contre. Donc, pif et paf. Voilà. GG à nous. Pas facile, hein, pas facile contre les sacrés, mais comme vous pouvez le voir quand même, et le cra, il gère quand même plutôt bien. Je l'apprécie beaucoup, franchement le stuff est assez cool, vraiment très sympa. On est contre un Eka Flip, ça a l'air de bien se passer, mais le truc c'est que la dernière fois qu'on est tombé contre un Eka, genre je pense que vous le rappelez, on s'en est dit bon il a pas beaucoup de résistance en fait pas, on le tue en 3 tours, et puis ensuite on s'est pris des griffes joueuses, à travers les murs à moins 900. Bon, du coup, je suis un peu traumatisé, donc je vais fermer ma gueule, d'accord Cette game n'est pas ni faite, ni bien faite, ni ce que vous voulez, genre c'est... On va peut-être gagner, on va peut-être perdre, d'accord? Voilà ce que je me dis. On va lui mettre la tyrannique. Alors tyrannique vraiment trop cool, hein. Paf, regarde, bim, t'as un ivoire, et ben on s'en fiche, t'as la petite ligne feu, et ensuite la ligne air, très cool. J'ai peur, en fait. Là, actuellement, je pense que mon cul va prendre très cher. Après, quoique, il a 75 de tag, et ça m'étonne un peu. Il est feu. Pourquoi pas? Je veux dire pourquoi pas. Voilà, chaton guérisseur, c'est vraiment pas le plaisir, par contre, mais bon, tant pis. Bah, vous savez quoi, lui relancer la tyrannique, c'est vraiment super intéressant, parce que bah il a l'ivoire, hein, pour désactiver, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on part sur une petite flèche de recul. Ah, moins 1000, sympa.
Hop, moins 1100 même. Et le petit coup de cac à moins 900, je pense. Crit ? Non. Moins 600, tant pis. Bon, lui a mis pas mal de pression. Ce qui est cool, c'est que les stuff feu peuvent donner beaucoup de pression parce qu'il peut spammer les sorts. Mais ça a moins ce côté glace canon comme le mode haut, par exemple, qui peut piler. Ah ! Ah non, c'était pas un mode. C'était un mode multi. Attends, what ? Alors, c'est un mode multi, mais. Enfin, genre. C'est un peu... Alors, il me semblait que ça désactivait les ivoires. Alors, attendez, la flèche cinglante désactive les ivoires, c'est ça les conneries qu'on m'avait dit, là? Ouais, ok, bah, vous avez très bon conseil, merci beaucoup. Mais là, t'es mort ou pas, en fait, je crois. Pff. Oh, ça... Bon, ça... Ah, je prends même le kill libé, mais vous savez quoi? Je vais le kill de façon tout à fait honorifique avec la... Avec notre petite... Notre petit arc légendaire. Ah oui. Oh bah assez expéditif. Ouais, en effet, ce fut assez expéditif. Et merci beaucoup. Et on est encore contre un. Bon, allez, hein. Après du bullshit total. Salut YouTube. On est contre un yop. Ouf. J'allais dire 48% feu, mais là cette fois-ci on est R. Bon, il en a dans 30% quand même. On va essayer de lui mettre un max de pression. On espère crit un petit peu. S'il vous plaît. Allez. Yes! Ah non, ok, je me plante pas clairement. Yes! Trop bien! Ok, là on est en full crit, là je me sens parfait les gars, on a 60 dommages poussés direct, 70 de dommages, on est boosté comme il faut. Le Yob va pas mal nous avancer dessus, je pense que si j'avance de 3-4, je suis plutôt safe, je risque de me prendre juste un coup d'Arc Shall Eye, on espère pas, même s'il a pas de tacle, donc l'Arc Shall Eye est sûrement là. Mais souvent, ce type de Yob a quand même envie de nous mettre la pâtée, hein. On a un cra, le mec il a envie de nous casser la gueule, hein, je pense. Ok, il va quand même pas bon. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on va avoir un peu plus... Oh. Non, on peut pas le pousser, donc c'est un peu compliqué, c'est pas grave. On va quand même s'acquitter absolue pour pouvoir lui mettre directement la flèche tyrannique. C'est à nous de combien. C'est à nous d'engager, tout simplement. Je pourrais avoir la variante d'œil de taupe, pareil, mais j'essaie de pas utiliser contre les yops parce que sinon, le combat est... Genre, je vais peut-être passer pour un mec détestable, mais c'est vrai que les combats sont un peu faciles quand même dans ce registre-là, je pense que vous le comprenez. Et on peut lui mettre ceci. Bon, je suis... Ouais, l'œil de taupe était quasiment équivalent, hein. J'étais en mode la cinglante, c'est sur une ligne de feu, c'est un peu de la merde, mais pas du tout. Pourtant c'est vrai qu'on est pas mal boosté en dommage de poussée, je l'avais un peu mal, je l'avais pas pris en compte. Non mais genre en fait mettre pesanteur contre un yop, en cra contre yop, c'est complètement con, tu le mets pesanteur deux tours, t'as largement le temps de le tuer. Genre sincèrement les combats sont pas intéressants, je pense que je vous l'avais déjà montré dans tous les cas. Ok, non mais d'accord, bon bah... Mais bon, regardez, on va s'en sortir. Le mec nous met du 1500 à l'Arc Shall Eye, on va gagner. Hop, parce que là du coup, donc, bon, le but de ce type de yop, hein, vous le connaissez, hein, c'est de constamment... constamment bon plus mettre un coup de cac. Hop, on va se mettre dans ce coin-là, il peut pas bouger. Oh d'ailleurs, j'aurais peut-être pu me mettre juste par ici, je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Le problème du stratège, c'est qu'il faut qu'on le mette... Ouais, on peut à la limite se booster des ventes, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Moi, je verrais bien reculer encore. On va quand même se la jouer sérieux, hein. On aurait pu abolition, si peut-être le stratège... Ouais, j'en vois pas l'utilité. Je pense que l'important ici, c'est de mettre un max de crit pour préparer nos... Parfait, ça crit bien. Je crois que je peux même le remettre, ouais, encore. Ok. Parfait, on a nos deux crits. Lui ne pourra pas nous taper sur ce tour-ci. Bon, le problème, c'est que là, c'est un duel. Hein, genre, c'est un duel de glace canon, c'est-à-dire que le premier qui touche l'autre a tué l'autre. Donc, bon. Enfin, moi, peut-être pas, hein, parce que, bon, genre, honnêtement, avec toutes ces vitas et tout, là, on perd une à son tour quand même. Voilà, la meilleure des choses que je peux faire, c'est mettre à son cac, hein. Il a fait quand même, je trouve, une erreur. C'est que là, bah, on sait que le mec veut absolument jouer au coup d'arc, donc on va se mettre à son cac. Hein. Bon, c'est pas super cool, on s'en fout. Coup de cac me semble obligatoire, et ensuite on va lui mettre une recul, hein, c'est le meilleur. Là, mine de rien, le mec prend du 900, il est full tac, c'est-à-dire qu'il va devoir utiliser des PA pour pouvoir détacler, il est vraiment Arc Shall Eye.
Ok, alors il est obligé de relancer en plus sa puissance. Là par contre, d'ici prochain tour, il va falloir un petit peu faire attention à nous-mêmes. Ok, comment on s'en sort là? Il y a peut-être un monde où on le tue. Non, je pense pas. En fait, s'il perdait une vita, on le tuait. On est sur le pire timing, quoi. Ouais, là c'est un petit peu le problème, c'est que du coup bah, il va juste nous bond dessus, plus précis, il nous tue derrière. Bon, littéralement, comme je l'avais déjà dit, hein, on n'a pas pris l'œil de taupe pour avoir un peu plus de piment dans le combat. Le combat était assez serré, on est surtout sur un mauvais timing pour le coup. Mais si j'avais par exemple pu le mettre deux fois pesanteur, bah. J'aurais pas eu à faire grand chose en soi. Pourquoi il apprécie, il a juste un coup de cac là? Il a quoi pour taper de loin? Ouais, il y a sûrement quelque chose pour me taper loin, je pense, hein. Ouais, il y a ça. Et 2 PA, Flamiche. Flamiche passe, ça m'étonnerait. Bon, comme quoi, quand je vous disais qu'on allait gagner, c'était pas une blague, hein. Bon, voilà. C'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que concrètement, vous voulez gagner contre Ayob, vous mettez la main d'œil de top sans problème. Mais c'est plus intéressant quand même d'avoir un peu de piquant au combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... on a peut-être un peu mal géré notre déplacement, mais c'est vrai que bon, s'il perdait une vita par exemple, on avait mis largement assez de pression pour pouvoir lui mettre de quoi le tuer, donc bon, c'est même passé sans, à part grand chose, je vous l'accorde, mais voilà. Ok. On aimerait bien un autre combat contre une classe qui change un peu de Xram, Krau, Yop, ce serait intéressant. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot mouchoir dans les commentaires, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.